J'entends encore les frères Morissette nous répéter la famille. C'était la famille, tout partait de la famille. On était vraiment particulièrement tissés, serrés. Et une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont bâti l'équipe. Ils ont bâti l'équipe pour aller au bout. Cette année-là, les frères Morissette ont trouvé la recette gagnante. C'est terminé, enfin! La Coupe qui revient au Québec! Jamais accepté d'être deux. C'est promis ou rien. Avec mon char de course, j'ai mieux rentré dans le mur que finir deux. Je dis une chose, Jean-Claude Morissette, disait, accepte pas de perdre. T'sais, un perdant était pas ennemi. C'est aussi simple que ça. On n'aurait pas pu dire qu'on était finaliste à la Coupe Memorial. Il fallait gagner. C'était ça ou rien. Si on veut jouer au hockey, il n'y a pas d'équipe qui pouvait jouer au hockey avec nous. Si ça voulait brasser, il n'y a pas d'équipe qui pouvait brasser avec nous. Le casse-tête était pas mal complet, là. Cette année-là, il n'y a pas une équipe qui nous aurait arrêtés. On aurait tout gagné. Le mot-clé des Prédateurs de Granby, c'était le respect. On en a parlé toute l'année. Le seul temps que ça a sorti, c'est quand on était autour de la coupe, les gars ont commencé à crier « respect ». On voulait agir pour se faire respecter.